Vendredi, on a parlé qui de Kamoko. Et le vendredi, j'avais parlé de quelque chose. Trois bases de Satan. J'avais parlé de trois bases de Satan. Namapata. Les airs. Mabele. La terre. Penamai. Et la mer. Amen. Amen. Namapata. Dans les airs. Gouvernement naizawa. C'est là qu'il a établi son gouvernement. Afin de bloquer nos prières. Et pour empêcher que la bénédiction d'en haut arrive jusqu'à nous. Mais Jésus-Christ les a vaincus. Sur la terre, il a aussi sa base. La base du diable sur la terre réside dans les cimetières. Dieu m'a révélé quand quand l'espace dans les airs décide d'un mal sur la terre, ils ordonnent aux esprits qui leur obéissent, qui sont déjà morts. L'ange de mort arrive au cimetière. Il ordonne. Et tu vas voir des tombeaux s'ouvrir et des esprits sortir de là. On leur confie des missions. Provoquer une telle épidémie. Que cela entre dans la vie des gens. Voilà pourquoi quand tu fais la délivrance, tu vois l'esprit qui dit: je suis sa grande mère. Naza kokonae. Je suis son grand-père. Naza kokonae mobali. Tu es où? Je suis déjà mort. Mais comment tu es déjà mort et tu parles? Comment tu parles au travers de ce corps? Il est venu de là. On lui a donné le droit et une mission dans ce monde-là pour qu'il vienne et troubler. Et comme c'est ton oncle, ta tante ou ton grand-père, il a le droit légal par ton sang et il entre. Est-ce que vous m'entendez? Et ta vie entre dans les tourments. Ça, encore, c'est une base du diable. Et j'avais parlé aussi des mers. Parce qu'ils sortent aussi des mers. Comme Apocalypse, le diable a tellement d'abord et à mer. Comme Apocalypse dit que le diable se tient au bord de la mer pour faire la guerre aux enfants de Dieu. Les esprits des eaux. Je ne parle pas seulement des sirènes des eaux, mais des esprits des eaux, parce que c'est tout un monde là-bas qui sortent de là. Et quand ça va sortir de là, ça entre sur la terre. Il est azali conducteur et tout péché est bandé dans l'immoralité. Ces esprits-là, c'est des conducteurs de toutes sortes de péchés, en commençant par l'immoralité. Est-ce que vous me suivez? Ceux qui viennent des cimetières, il y a toute forme de maladies, des accidents et de toutes choses. Ceux qui sortent des cimetières sont des porteurs de maladies, de toutes sortes d'accidents, tout ce qui peut provoquer la mort. J'avais déjà enseigné sur cela le vendredi. Alléluia. Dieu est vivant. Yokanga, écoute-moi. Apprends à prier avec louange et adoration. Cela ouvre le ciel. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'avais dit que je vais vous parler. Je vais vous parler de comment tu vas commencer à diriger tes prières par rapport à ces trois bases. La louange et l'adoration ouvrent le ciel. C'est l'armée de Judas. Si l'église commence vraiment à entonner des fortes louanges, quand on loue ici, ne reste pas là. Facilement. Sinon, on va t'envoûter facilement. Tu dois entrer vraiment dans des moments de louange et d'adoration intense. Cela
ouvre le ciel. Alléluia. Dieu est vivant. Deuxièmement, quand tu pries ici sur la terre, donc pour attaquer l'armée de la terre, ta prière, il faut la diriger avec, accompagnée par la foi. Ta prière doit être accompagnée par la foi. Il faut ça l'étude, c'est quoi la foi? Tu dois faire l'étude sur ce qu'on appelle la foi. Et quand tu pries, par la foi, tes prières repousse les démons qui sortent des cimetières. Êtes-vous d'accord avec moi? Alléluia. Dieu est vivant. Êtes-vous d'accord avec moi? La prière s'opposer contre tout le monde. Et la prière qui peut te permettre de t'opposer au monde des eaux, elle est accompagnée de ce qu'on appelle la sanctification, la sainteté. Parce que tu peux beau prier. Parce que nous comprenons de l'endémoniaque. Si tu as un problème avec quelqu'un, va d'abord arranger ça et après prie. Jésus a lobi ceux qui osent aller comme n'importe qui, non, qui sont na sima ou qui bondela. Ceux qui sanctification exacte. Si tu n'as pas de sanctification, la vie du péché, tes prières sont bloquées. Ma bondeli non et ko kangama. Même à toi, zobeta no balang. Même si tu pries en langue. Est-ce que tu t'es déjà présenté devant un distributeur d'argent et tu commences à prier en langue et l'argent sort de là? Il faut carte. Il faut mettre ta carte.